Et rebonjour tout le monde. Alors, on se retrouve ici donc sur la petite map du serveur. Je viens de poster un épisode aujourd'hui, donc j'en poste un deuxième là. Où j'avais eu un problème pour mettre le slash home. Slash set home normalement qui aurait dû marcher. Voilà, c'est bien ce que je pensais. J'ai m'étais planté. Donc, avant de retourner dans la grotte, vu qu'il n'est pas encore bien exploré, on va aller sur le serveur. Je vais faire fond de, pour quelques petits trucs logistiques. Faudra que je vous montre. Bah, en fait, j'hésite à faire de l'exploration ou de la vente. C'est surtout ça le truc. Donc, vous voyez, ça a encore bougé. Bah, c'est pas fini de générer. Ça va, ils l'ont plutôt bien intégré au chemin. Il fallait mettre un escalier, ça aurait été mieux. Donc là, vous avez le shop. Vraiment pas cher. Ouais, ça se voit que c'était givé, on dira rien. Là, c'est le recrutement des DSG. Est-ce que j'ai une faction moi? Slash F faction. Ah, bon bah. Ah non, mais mince, je suis bête. Non, j'ai pas de faction. Donc je peux me créer une faction si j'ai envie. Parce que je voulais de créer une guilde plus tard. Et ça, ce sera vraiment plus tard. Pour le moment, on va y aller à la bourrine. Un jeu tout à fait normal. Donc que je vous explique certains petits trucs sur les guildes. Avec Sun, on a vu qu'on avait quelques petits problèmes au niveau des guildes parce que tout le monde allait créer leur propre guild, mais only pour eux tout seul. Donc c'est un peu chiant. Donc on va peut-être limiter le nombre de guildes ou faire en sorte qu'il y ait des choses pour qu'il y ait le droit à faire une guilde. Parce que si tout le monde crée sa guilde comme ça, on n'a pas fini. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Changer tout le bordel. Bah, le reste je peux garder. Bon bah, slash back. Bingo. J'aime les serveurs. Par contre, là, va falloir faire gaffe. Si je ramène plus, ça va être mal. Il y a pas mal de lave. C'est bon, on peut avancer. Je vais contourner un peu le lac de lave. Ça, c'est pas ce qu'on appelle un bon contournement. Wow. Là, c'est un petit freeze. Normal, on va dire. Donc là on va voir ce qu'il y a par là. J'aime pas l'araignée, je crois l'avoir vu par là-bas. Ah, encore du fer. C'est un creeper ou c'est une araignée? Parce que c'est pas la même chose. Et là après j'hésite soit m'acheter un terrain, soit me faire une armure avec le fer. Ah ça plus tard. Ouais, il y avait bien un creeper. Bien t'as pété. Il y a encore un autre creeper. Il est là-haut l'araignée. Je vais mettre un peu de lumière parce que je suppose que vous y voyez pas grand chose. Le creeper me permet d'avoir un peu de bouse. C'est bizarre, il y a pas mal de lave, mais pourtant c'est pas mal sombre. C'est pas mal sombre, ça c'était beaucoup. Il y avait un creeper tout à l'heure par là. Et il peut faire le contournement lui. Et est-ce que je disais? Oh, c'est bizarre qu'il pétait pas. Donc contrairement au serveur normal, là les creepers pètent. Il y a bien une raison, c'est parce qu'on est sur un monde à part. Et plus sur le même monde. Donc sur ce monde-ci, ils peuvent péter. À retenir. Parce qu'on est dans le monde Mila, si vous vous rappelez de l'épisode précédent. Dans l'autre monde, ils pètent, bah, ils font autant de dégâts. Mais ils effraient un peu moins parce qu'ils font pas de dégâts au terrain. Faut pas hésiter à prendre toutes les ressources qu'on voit. Mais le problème, c'est la lave.
Vous le savez fort bien. Pour les habitués de Minecraft, ils savent ce que c'est que la live. Pour les autres, c'est le truc rouge qui est juste devant moi. Et qui vient de me cramer de la redstone. Ah, Ichi. J'ai plus de torches. J'ai plus de fer non plus. Ouais, j'ai plus de charbon. Waouh, c'est quoi cette grotte? Et de la lave. Je n'ai pas l'idée qu'il y a un arche en face. Il pue en face. On va jouer à la archer. Non, même pas. C'est lui qui m'a frappé. Si, j'ai joué à la méthode archer. Voilà, j'attendais. Attends, je filme, je dis quand même. Ah, j'ai du lag. Sinon, ça serait directement mis. Sans, je savais que j'avais du lag dès le départ. L'or, ça se vend un peu. Par contre, j'aimerais bien avoir autre chose que de l'or quand même. Tac, 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 tac. Mais bon, il me fallait du charbon. Je vais pouvoir me faire un peu de torche. Ah, mais le charbon, je peux le vendre aussi, je suis con. Bon, bah, on va prendre tout le charbon qu'on peut. Et on va le vendre après. Ça fait toujours ça de gagner. Surtout que là, l'argent, on va en avoir besoin beaucoup si on veut une maison. Les prix des maisons sont très variés, divers et en fonction des personnes qui les vendent. Les terrains déjà à la ville, ça va à peu près les prix. J'ai vu qu'on pouvait les avoir facilement, donc ça allait. Enfin, je sais les prix, bien sûr, vu que c'est moi qui les ai faits. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont assez accessibles. Alors que j'ai vu dans certains serveurs, parfois, c'est pas vraiment accessible, les terrains. C'est quoi ce truc de charbon? C'est énorme. Bon, 30 charbon c'est suffisant. On va économiser le charbon pour pouvoir avancer un peu plus. Le problème c'est vous qui n'y voyez rien, je suis désolé. Mais là vous allez voir mieux tout de suite. Donc pour ceux qui auront une très bonne vue sur Minecraft. Tac tac tac. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. Je suis encore un slash 7 home au cas où, on sait jamais. Et là, je prends mes torches à la main. Enfin, ce qu'il faut, c'est pas le faire, mais je le prends au passage. Imaginez que je passe à côté de ce petit diamant qui est ici, sans que beaucoup de vous vont gueuler. Allez. Tu n'as qu'un. Ah mince, j'aurais bien voulu un peu plus. Ah voilà. Aïe, beaucoup plus. Donc là, ça c'est suffisant. Slash back. Je vais pas chercher plus loin, j'ai fait un slash chez Tom. 3 diamants, c'est déjà pas mal. On va faire fondre ça et ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les vendre. Ça, ça, je garde du charbon. La redstone, je la garde aussi. Le fer, je verrai ça plus tard. Je vais peut-être me faire une armure fine. On verra en fonction de tout ce qu'il y a. Donc, il n'y a plus de terrain de libre normalement. Donc, je ferai peut-être une ellipse ou au prochain épisode, j'achèterai un terrain. Espérons qu'il n'y ait pas de mob. Et là, on va aller à la vente. Donc, si vous vous rappelez, je crois que je l'ai fait. Ah, je suis même pas sûr que j'ai fait ça dans l'épisode de la vente. Peut-être. Ah, bah attendez, on va voir si j'ai vendu le truc avant. Ouais, j'ai dû faire de la vente, j'ai 680. 670. Donc, diamant, c'est ici. Donc, clic gauche pour vendre. Voilà, j'allais faire clic droit. Là, j'ai rien à vendre. J'ai rien à vendre. Charbon, je veux vendre. J'en ai plus.
Ah si, c'est j'en ai. J'en ai plus. Preston, j'en ai. Voilà, et si je fais un chasse monnaie, 4000. Eh ben c'est nickel. Je vais pouvoir créer une autre île à côté et faire un terrain 4000 pour ça. Et on va enfin pouvoir commencer à faire la maison. Donc, je sais pas combien de temps ça filme. Je sais pas si je crée le terrain maintenant et je commence directement à faire la maison ou pas. J'hésite. Je les ai vendus combien? 4500 je crois les terrains pour les demi-îles. Bon allez, on va s'acheter une demi-île. Ça sera un peu mieux. Je prends ça. Je me fais une armure et j'irai vendre le reste. Si, non, si il en reste un bon paquet. Voilà. Ça va plus vite comme ça pour crafter. Ouais, là, c'est un craft qui n'existe pas, j'avoue. Et déjà, je me sentirai un peu plus en sécurité dans les grottes. J'ai encore le skin de Mexicain. C'est pas grave. Allez, allez, déverse. Il me reste encore un stack de charbon, c'est ça dedans? Ouais, bah on va pas gêner, on prend le charbon avec. Et on vend tout. Et on se retrouvera après pour la construction de la maison. Il dit que ça a mis les portes à l'envers. Personne ne dira ça. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Bah non, c'est normal, je l'ai vu hier soir et là il a couru. Il devrait mieux arriver, je pense. Attendez, je regarde un truc sur Skype, j'ai eu un message. Je suis en mode pas occupé, c'est pour ça que vous. Non, je suis en mode occupé justement. C'est pour ça que vous avez rien entendu. Ah, j'ai pas rendu. Ah, les lingots de fer. D'or. Là, on vend tout ce qu'il y a. Et le col, la même. Slash monnaie. 5000 et quelques, et bah c'est nickel. Je fais une courte ellipse et je reviens. Et re tout le monde. Alors, on se retrouve ici. On prend une petite courte ellipse. Donc, pas d'appel Skype. Bon, ok. Donc, on va avoir un petit son qui va arriver dans la vidéo. Qu'est-ce que je fais? Je vais déménager. Donc, j'ai vu le terrain, je vous montre après. Slash. Ce qu'il faut faire, slash pay. Bloody. Monday 11. Vu que c'est à lui le terrain. Fuck! Je peux pas lui donner comme ça? Bah, il est là, de toute façon. Je l'ai mis appelé. Ouais. Sun, t'es là? Non. Ah, voilà, Sun. Vous l'entendrez sûrement pas parce qu'il a une voix très très faible, là, ce que je vois. Par. Non, c'est bon, je t'entends. Grisiment, mais je t'entends. Vas-y. Attends, je sais pourquoi vous m'entendez pas. Si, c'est bon, je t'entends. Très bien. Ouais, là, c'est bon. J'ai juste monté le son à fond. D'accord. Depuis quand? Je t'ai menacé. J'entends rien là, tu coupes. Par contre, je t'ai envoyé de l'argent, c'est pas grave, tu cherches pas à comprendre. Ce que je veux, c'est juste de t'emmerder pendant que tu filmes. Pourquoi tu m'as enlevé l'argent? Parce que, vu que pour acheter un terrain, il faut envoyer de l'argent à quelqu'un qui est un modo sur le serveur. Et le problème, vu que ça, je fais la série là en ligne, bon, je sais pas si t'as suivi, c'est pas grave. Mais le problème c'est que j'avais personne à qui envoyer, je peux pas me l'envoyer à moi-même vu que je peux pas mettre deux comptes à la fois. Enfin, je crois pas. D'accord. Est-ce que c'est mieux là? Ouais. Attends, je vais baisser un peu le son par contre maintenant. Fais exprès comme ça. Ouais, ça t'évite de demander trop le son. Tu filmes avec quel compte là? Aïe. Quel compte là? Je suis avec. Hein? Ça grise. Hein? Ça a bugué ou non, je sais pas. Pourquoi il y a ça là? Qui c'est qui a battu un arbre au plein milieu de la ville? Moi tu veux que je sache. Il y avait une bûche qui
si je peux pas prendre, c'est pas grave. Donc là, vous allez voir tous les abonnés le nouveau terrain que j'ai fait. Pourquoi ils ont un arbre volant derrière chez eux? C'est pas grave. Donc là, on va passer dans les quartiers résidentiels. À gauche, Winichiro où c'est grand ouvert. À droite, Winichiro où c'est grand ouvert. J'aime. Et à devant. J'aime. À droite, Winichiro où c'est ouvert. À gauche, Winichiro où c'est ouvert. Et devant, Winichiro où c'est tout ouvert. Son. Tout ouvert. Non, oui. Fermé. Tu me dégoûtes. Là, c'est chez Joe, c'est grand ouvert aussi. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai construit une ville. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai construit une ville, mais que personne vient à la ville. Non. Bah, moi, je me suis acheté un terrain là. Donc, pour les abonnés, le terrain, c'est ceci. Vous demanderez pourquoi il y a des gros trucs au-dessus. Je vous explique plus tard. Tu as acheté un terrain dans mon. Tu as acheté un terrain dans ma ville. Non, dans la mienne. Personne veut rejoindre ma ville. Pourquoi on rejoindrait ta ville? Parce que c'est pour ceux qui aiment. Parce que c'est pour ceux qui aiment. Pourquoi je crois que je l'ai construite? Pourquoi je crois que je l'ai construite? Pour rien. C'est pas la bonne réponse? Non, mais. Je vais te supprimer cette ville alors. Sun! Non, je suppose que c'est pas toi. Il y a une grande. Ah oui, mince, on l'a oublié ça. Il y a une grande sphère verte avec de l'éponge au-dessus. À place de la pyramide. Ça fait un peu moche. Ah, moi, on mettra autre chose. Faudra changer ça plus tard. Ceci, mes amis, est l'œuvre de. Oups. World Edit. Va falloir que j'aille chercher du sable après aussi. Par contre, Sun, je te préviens, je reste pas longtemps. De quoi? Sur leur ordi. Pourquoi? Raison personnelle, les abonnés ils doivent pas savoir. Et moi je peux savoir? Plus tard. Pourquoi j'ai tout compte vert? Je vais déménager moi. Sun? Ouais. T'es sur le serveur là? Ouais. Tu vois. Sur la nouvelle île que j'ai fait, il y a un endroit avec un panneau où c'est marqué 4500 le panneau sur une sorte de pilier en laine. Tu peux péter le panneau s'il te plaît? Je sais même pas où t'es. Bah tu vois où c'est Logan, Ichiro et ça leur maison? Bah attends, là je suis en train de faire le prix de batterie. Bon bah c'est pas grave, je vais me garder, t'inquiète. C'est bizarre. Donc je. Ah non, j'ai encore oublié de faire quelque chose pour libérer ma chambre. Et voilà, ma chambre est libérée. Il y a une chambre de libre à l'hôtel. Qui est déjà plein depuis un bon bout de temps, mais c'est pas grave. L'hôtel, il est pratiquement plein maintenant. Là, je récupère. Ouais, j'ai eu l'achievement d'avoir du bois. Vive le truc. Oh non, ils ont pas laissé la laine, ils sont sérieux. Je remplacerai par de la bouse après. Finalement, ils sont pas si mal que ça, les quartiers. Hein. Moi, mes maisons, je les mets à pas cher. Moi, c'est 4500 le terrain qui fait à peu près la moitié d'une île. Ça va? Moi, non, justement 2000, mais bon, il faut agrandir en vrai. Par contre, tu peux faire un time day, s'il te plaît. T'es le modo. Ouais. Des demandes qu'on fait au modo comme ça de temps en temps. Thank you. Je peux pas priver les coffres. Si c'est bon. Donc là, il va falloir que je commence à construire. Comme vous voyez. Là, j'ai mis de mettre de la laine. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir commencer par faire? J'ai pas de bois. J'ai la flemme d'aller en couper. Et ça risque d'être ennuyant pour vous d'aller récolter. On vient de perdre Sun, mais c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je mette des trucs pour faire la mieux. Donc, entre deux épisodes, je vais chercher du bois là-bas. Couper quelques arbres, les replanter.
Ah, j'ai un bug du serveur, je pense. Bug de connexion. Ouais, j'ai plus de connexion internet. On va couper là-dessus sur ce magnifique fait. Ah, j'ai oublié d'aménager le terrain là, il doit y avoir du bois autour. Bon, je vous laisse. Salut tout le monde. Et passez une bonne journée. Fin de journée.